Il y a une absence totale de compréhension de ce qu'est la recherche, y compris, ce qui est très ennuyeux, si vous voulez, dans ces inspections qu'on vous envoie régulièrement. Enfin, moi, j'en ai, je pense, j'en suis plus quelques-unes, hein, peut-être plus de 10 en tout depuis que j'ai créé l'IHU. Ouais. Face à des gens qui n'ont jamais fait de recherche de leur vie. Ils savent pas ce que c'est. Ils n'ont pas la moindre idée de ce que c'est. On avait un ministre de la Santé qui n'a pas fait de recherche. On avait une ministre de l'Université qui a fait de la recherche. Comme on fait un de mes thésards, j'ai encadré 100 thèses de sciences. Il n'y en a pas. Ces gens-là n'ont pas le niveau pour passer une thèse de science chez moi. Et ces gens ont des ficelles, ils s'appuient sur des gens qui sont des inspecteurs. Et pire que ça, ce qui est très intéressant dans ce milieu, ce que décrit pas Delfrécy, moi j'ai mis longtemps à comprendre, ce sont des gens qui progressent, comme on lit dans Saint-Simon, ils ne progressent que par l'obéissance. Et donc, la raison pour laquelle un certain nombre d'entre nous sont absolument insupportables, c'est parce que nous n'obéissons pas.